Monsieur Freeman, j'ai tout un tas de messages pour vous, mais mon ordinateur a planté il y a une vingtaine de minutes et je suis encore en train d'essayer de retrouver mes fichiers. Il y a des jours comme ça. Ils avaient quelques problèmes dans la salle de test aussi, mais je crois qu'ils les ont résolus. Ils m'ont demandé de vous y envoyer dès que vous aurez enfilé votre combinaison. Poussez-vous, Freeman. J'attends un message très important. Tout ça m'a l'air parfaitement en ordre. Mon Dieu, qu'est-ce que... Hé, hey, arrêtez ça! Allons, Gordon. Vous voulez m'attirer des ennuis? Où est-ce que j'ai mis cette note sur la procédure de désactivation? Ah, Gordon Freeman. Bonjour, ça fait plaisir de vous voir. Je suis impatient que nous procédions à cette analyse. Pas vous? Il faudrait recalculer les variables d'amortissement, vous ne croyez pas? Bonjour. Bonjour. Oui, tout a l'air de fonctionner parfaitement. Qu'est-ce que vous faites? Bonjour. Je m'y attendais. Pourquoi devons-nous? Bonjour. Soyez le bienvenu dans votre combinaison de protection en milieu hostile. Capteur d'environnement activé. Contrôle des fonctions vitales activé. Contrôle de munitions activé. Contrôle de munitions activé. Contrôle des systèmes de défense activé. Système automatique. Je pense à signaler cette fluctuation. Passez une agréable journée. Énergie disponible, 15%. Est le plaisantin qui a caché mes lunettes. Bonjour. Alors c'est votre tour aujourd'hui. C'est étrange.
Monsieur West, veuillez vous présenter au complexe du réacteur Lambda. Gordon, vous voilà. Nous venons d'envoyer l'échantillon à la salle de test. Nous avons poussé le spectromètre antimasse à 105%. C'est un peu risqué, mais il nous faut une résolution supérieure. L'administrateur tient vraiment à ce que nous parvenions à analyser cet échantillon. Je crois qu'ils ont eu du mal à se le procurer. Ils vous attendent, Gordon, dans la salle de test. Mais qu'est-ce qu'il a, cet appareil? Ça n'a pas été conçu pour ça, à la base. Je crois que nous allons devoir nous éloigner un peu des méthodes d'analyse habituelles. C'est exact, mais nous avons de bonnes raisons de le faire. C'est une chance unique, il s'agit de l'échantillon le plus pur que nous ayons jamais vu. Et potentiellement le plus instable. Oh, si on suit la procédure d'insertion, tout devrait bien se passer. Comment pouvez-vous dire cela? J'admets que le risque de résonance en chaîne est très limité, mais je n'aime pas le... Ça ne concerne pas notre ami Gordon. C'est un spécialiste parfaitement entraîné. Nous avons assuré l'administrateur que tout se passerait bien. Oui, vous avez raison. Gordon, nous avons entièrement confiance en vous. Bien, allons-y. Faites-le entrer maintenant. Tout a l'air en ordre. Très bien. Gordon, votre combinaison devrait vous protéger le temps de l'opération. Le spécimen vous sera bientôt envoyé. Montez et actionnez les rotors. Nous allons régler le spectromètre antimasse à 80%. On occupe maintenant. Paré pour la phase 1, énergie dans 3, 2, 1. Je vois la matrice de phase. Attention, début de la phase 2, maintenant. Gordon. Impossible de prédire combien de temps le système pourra fonctionner à ce niveau de charge, ni celui que prendra l'analyse. Essayez de travailler aussi vite que possible. Condensateur supérieur à 105%. Ça
n'est probablement pas un problème. Probablement pas, mais j'ai quelques écarts anormaux sur... Non, ça y est. Plus rien en dehors des limites de tolérance. Continuons. On m'informe que l'échantillon est prêt, Gordon. Préparez-vous à le réceptionner.